この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va jouer aujourd'hui à Densha de Go sur Nintendo 64. On avait fait la version Neo Geo Pocket. Et c'est parti pour une version console cette fois-ci. Alors, j'ai pris en 64, mais potentiellement j'aurais pu prendre d'autres versions. Il y en a eu tellement de supports, c'est incroyable. Ce jeu est sorti partout. Donc, je vous présente un petit peu de manière succincte. Hein, je précise, puisque le jeu est en fully japonais. Ça va être compliqué, mais bon. L'avantage, c'est quelques passages qui sont un petit peu. Voilà, on peut voir Emblem of Solaris, c'est mode arcade, mode beginner, game setup, etc. Ce qu'on va faire dès le début, c'est voir les réglages. Donc, ici, donc c'est pour les contrôles. Voilà, ils expliquent à quoi sert telle ou telle partie de la manette. Ici, c'est le mode de difficulté qu'on va mettre au minimum parce qu'on est des fous. Voilà. On va revenir dessus d'ailleurs. On va mettre au minimum. On a aussi le speedomètre, donc on va l'afficher. En fait, on a plusieurs modes de speedomètre. Ça, en gros, c'est le compteur de vitesse. Hein. Vous avez le mode donc désactivé. Alors là, si vous y arrivez, vous êtes des fous. Je sais pas comment dire, mais c'est totalement improbable d'arriver à connaître la vitesse juste au jugé. Voilà. Là, vous allez avoir le speedomètre habituel, et là vous avez la version totalement chiffrée. Vu qu'on est des débutants, on va mettre celui-là. On peut donc choisir les valeurs en centimètres ou en mètres. On va se mettre en mètres. Centimètres c'est plus précis, mais c'est vraiment quand vous connaissez bien le jeu. Ça, on va laisser ses vibrations. Non, et c'est comme ça. Donc il va sauvegarder évidemment les réglages. Voilà. On a les ranks, donc les meilleurs scores, etc. Le mode arcade et le mode beginner. Et justement, pour nous, c'est l'occasion de vous montrer le tutoriel. Donc, le tutoriel qui se trouve ici. Qui nous apprend, du coup, à conduire un train. Donc, en japonais, elle nous expliquait donc les différents modules, à quoi ça correspond. Donc là, voilà, elle nous explique que ça, c'est le bouton, donc c'est l'accélérateur, concrètement. Donc, c'est la puissance d'accélération de 1 à 5, normalement, il y a 5 niveaux. Ici c'est pour freiner, alors avec des niveaux beaucoup plus précis, on a 8 niveaux de frein pour pouvoir ralentir le train. Ensuite ici c'est le temps que l'on est censé faire il me semble, et ça c'est le temps qu'on fait actuellement. Voilà, donc on va attendre qu'elle passe à la suite. Et dans le but c'est d'arriver pile à l'heure, vous l'aurez compris, ou traverser une gare pile à l'heure. Là c'est les stations. Donc on a les distances avec les prochaines stations, et là c'est le contour, jusque là tout va bien aussi. Enfin, le contour, le compteur de vitesse. Ensuite vous avez donc le truc vert qui nous dit qu'on peut démarrer, et quand les portes sont fermées à gauche, on a le bouton qui passe au vert, tout simplement. Donc là elle va nous demander bientôt d'accélérer. Vous allez voir. Alors les maniements sont assez difficiles au début, enfin faut vraiment avoir une bonne synchro, on a tendance à faire n'importe quoi. Donc là on est ouvert, c'est-à-dire que les portes sont fermées et du coup on va pouvoir démarrer. Donc on va utiliser le bouton pour se mettre au niveau 0, ce qui fait que les freins sont désactivés. Et là on va du coup monter la vitesse au niveau 5 et nous sommes partis. Donc là on va monter jusqu'à 90 km/h, 90 km/h. Évidemment, on change pas de ligne, hein, on suit le rail, hein. Concrètement, c'est un train, je le rappelle. Donc
Alors, on passera derrière les graphismes, le son, etc. Pour le moment, je vais vous montrer vraiment le fonctionnement. Donc là, on va arriver à 90 km/h, et quand on sera à 90 km/h, on va passer en mode, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, roue libre. Puisque, vous allez voir, elle va s'arrêter, elle va nous expliquer que quand on est un peu trop dessus, eh ben, il faut baisser la vitesse et passer à 0. Vous allez voir, voilà. Du coup, là, on accélère plus, il se passe plus rien, on est en roue libre. Je sais pas comment expliquer ça autrement, je pense avoir un terme hein, dans le milieu des chemins de fer. Voilà, donc on peut voir en bas qu'on va juste traverser la ligne de train. On va pas devoir s'arrêter. Et en gros, ce qui s'explique en vert en haut à gauche, c'est qu'il va falloir passer la station qui s'appelle X ou Y. Et ici, on arrive à une intersection. Donc quand on est à l'intersection, il faut prévenir avec les boutons C, du coup, avec un petit klaxon concrètement, que l'on va devoir traverser. Voilà, tout simplement. Donc dès que vous voyez l'intersection, il faut appuyer sur ces boutons-là. Donc là c'est le tutoriel évidemment, donc elle s'arrête à chaque fois. Donc là, on va arriver devant la station. Voilà, tout simplement. On traverse juste la station. Et vous allez voir, on va arriver pile à l'heure. Et donc à 5 minutes 57 secondes et 30... Enfin non, 5 heures 37 57 minutes 30 secondes. Voilà, on arrive devant la station. Et du coup, on va pouvoir réaccélérer. Elle nous dit de nous mettre à 5. Alors ça, c'est vraiment le plus difficile dans ce début de jeu. C'est qu'il va falloir doser, être ultra fluide, en fait, pour arriver à chaque fois à l'heure à chaque station, être réactif par rapport à ce qu'on nous dit. Et là, elle nous demande de repasser à 0. Et vous allez voir, on va bientôt commencer à devoir freiner pour s'arrêter à la prochaine station. Donc là, on est en vert en bas, donc ça vous... Je vous le dis franchement de manière mnémotechnique, si c'est affiché en vert en bas à droite, c'est qu'il va falloir s'arrêter. Quand c'est en bleu, c'est qu'il faut traverser. Donc là, on va ralentir un tout petit peu. Et là, on va demander à la 45 km/h. Du coup, on va devoir baisser notre vitesse. C'est logique, 45 km/h. Du coup, on va appuyer sur le bouton B. Et on va se mettre au niveau 7 de freinage. Quand vous êtes à un niveau maxi, freinage d'urgence ou 8, en général, les gens dans le train n'aiment pas du tout. Parce que ça freine d'un coup, en fait, concrètement. Et du coup, ça vous enlève des points. Ils sont pas très contents. Et du coup, on va se remettre à 0 maintenant qu'on a bien ralenti, qu'on s'est mis à 40 km/h à peu près. Voilà. Donc là, on dit qu'il y a une intersection, donc il faut rester à 45. Et attention, du coup... Alors là, c'est le parti que j'ai pas spécialement trop compris, donc je vais faire vous le dire. Donc là, on va devoir s'arrêter. Donc on va arriver sur la station. Pourquoi on est plus lent alors qu'on pourrait freiner d'un coup? C'est parce qu'on essaie d'arriver à l'heure, pile à l'heure. Donc là, elle va nous expliquer qu'on va commencer à ralentir au fur et à mesure. Et on va du coup appuyer sur le frein et on va se mettre à la position 5. Ce qui fait qu'on va ralentir de manière un peu plus progressive. Et là, on va passer à la position 3. Pour ralentir encore plus, enfin un peu moins, mais de manière un peu... Toujours on ralentit. Et là, on va passer à la position 1. Du coup, on va s'arrêter, vous avez vu 54, 51, 52, 53. Et on va s'arrêter juste là, 55. Voilà, on s'est arrêté pile au bon endroit. Du coup, on a le score normalement parfait, mais c'est le mode tutoriel, donc il va falloir, il faut prendre ça en compte. Quand on va faire un mode de jeu normal, vous allez voir, on va galérer complètement. Surtout que là, on a quand même un peu plus de trucs à gérer que par exemple la version Neo Geo Pocket. Et on revient donc sur le push start button. Alors. Avant de commencer la partie, je vais parler justement du son et des graphismes, puisque après ça va être compliqué, on va vous le dire. Alors c'est un jeu qui est sorti en 96, si vous comparez la version PlayStation et Saturn, sincèrement, j'ai pas vu de grosse plus-value, si ce n'est un peu de fluidité, mais c'est pas spécialement super bien fait. Franchement pour la 64, il y avait quoi faire vraiment vraiment mieux. Beaucoup plus... Bon, le jeu est fluide, c'est déjà ça.
Mais enfin, ils se sont pas foulés, sincèrement. La 64 n'apporte rien à la version PlayStation ou même Saturn. Elle est bien évidemment mieux que la version Neo Geo Pocket, mais. Mais bon, c'est pas exceptionnel. Allez, on va faire un mode. On va se mettre en beginner mode encore. Et on va faire 2-3 lignes en mode simpliste. Alors, je vous expliquais rapidement, enfin, de manière très très succincte encore une fois. Les jaunes, c'est le niveau de difficulté. Voilà, vert, c'est des niveaux qui vont de 1 à je sais plus combien. Jaune, c'est des niveaux un peu cran au-dessus. Et rouge, c'est très difficile. Donc, limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode arcade. Et on va prendre la station la plus simple. Alors, il y a différents types de trains. Seulement, tous les trains n'offrent pas de niveau de difficulté similaire. Par exemple, si je prends celui-là, vous allez voir, on n'a que des niveaux moyens à faire et des niveaux difficiles. Si on prend cela, c'est un peu plus... Ouais, voilà, niveau assez difficile aussi. Et si on prend ces trains-là, on va avoir des niveaux un peu plus simples. On en a notamment un qui est assez simple. Après, c'est des niveaux difficiles aussi. On va prendre celui-là, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas encore du tout le niveau pour y arriver. C'est typiquement un jeu japonais. Je vais peut-être te répéter des choses que j'ai fait sur la version de jeu Pocket, bien évidemment. On va conduire un HK100. C'est parti. HK100. Du coup, on va pouvoir enlever les freins, mais alors je sais pas s'il va falloir le faire. Oui, donc là, normalement, on va passer ici. Et on va pouvoir démarrer. Voilà, on va faire vite. Tout est fermé, donc on va pouvoir démarrer. Et donc on voit les kilomètres heure en bas à gauche. Voilà, 35 km heure. On va rester à 35. Alors, je peux aller un peu plus vite, hein. Je peux accélérer légèrement, voilà. Là, il n'y a plus de limite, donc je vais pouvoir remonter un peu ma vitesse. Voilà. Donc là, je vais passer à 70 km/h. Donc on va accélérer. Alors 70, c'est une moyenne, hein. Là, on peut monter jusqu'à 90. 70, c'est une moyenne. On peut évidemment aller légèrement plus vite, mais il faut rester dans ces eaux-là. On est très proche de la vitesse maximale. Là, on est à 90. Je vais rester à 89-90. Donc je vais un petit peu switcher entre les deux variantes. 90 c'est parfait. Voilà. Là on est bien. On a la bonne vitesse. Alors suivant les rames de train, évidemment vous allez accélérer beaucoup plus ou moins fort. Hein. C'est évidemment chaque train est particulier. Voilà. Là j'ai utilisé pour pouvoir prévenir. Qu'on arrive à entrer en gare. Donc là pour l'instant, on passe devant la gare. Bon voilà, on est arrivé à 37 au haut de 40, donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt bon, on s'en sort plutôt bien. Donc la prochaine station, par contre, il va falloir s'arrêter. Donc il va falloir passer à 70 à peu près. Et je me suis trompé. Je me suis totalement trompé. Je me suis totalement trompé de numéro, j'ai activé le... J'ai activé l'arrêt d'urgence en plein milieu. Bon, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, du coup, voilà, ils expliquaient en fait au moment où on allait arriver qu'il fallait que je sois en moyenne à 70 km/h avant de freiner. Donc là, il explique qu'on va s'arrêter prochainement à la station Saikata. Enfin, je n'ai pas trop entendu ce qu'il a dit, mais ces eaux-là. Donc là, vous voyez, on a 600 mètres encore à parcourir. On va essayer de retomber à 45 km/h. Peut-être un peu rapide. Là il dit 45, donc on va remonter un peu. Voilà, on reste à 45. On va rester à peu près dans ces heures. Et on va s'arrêter. Et vous allez voir qu'on va tellement perdre de temps. Ah,
Bon, là on a complètement loupé, hein. On s'est arrêté vachement plus tard. J'ai fait 21 fois 1, donc je perds beaucoup de points. C'est pas grave, c'est le premier arrêt, donc du coup on va faire avec. Allez, donc on va mettre le frein au minimum et on va démarrer à fond, tout va bien. Et la prochaine station, bah, il va falloir s'arrêter à nouveau. Alors si vous avez vu, on a un tableau qui nous explique à peu près dès le début quelle station on va devoir s'arrêter et quelle station on va traverser. Quand vous avez une ligne qui est appliquée, la flèche est habillée en vert, totalement en vert, ça veut dire qu'on va devoir s'arrêter. Quand elle est vide, ça veut dire qu'on va la traverser, tout simplement. Alors il faudra revoir le parti pour que je vous explique exactement. Là, il nous reste encore 1400 mètres. Vous voyez, on a des dénivelés aussi. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Sincèrement, je n'ai pas du tout compris à quoi ça servait. J'ai pas eu de limite. Hein. Pour l'instant, je vais rester à 90. Ça se trouve, c'était pas du tout la bonne limite à avoir, mais bon. Ouais, 400 mètres. On va cesser filer pour le moment et on va commencer à freiner. Là, je commence à mettre un peu du frein. Alors là on va être super loin, du coup j'ai échoué. Bon, je me suis arrêté trop loin, du coup c'est pas bon, en plus je suis pas arrivé à l'heure. Donc on va faire continuer. On a le nombre de points, voilà, si je reste appuyé, bah, on a le décompte qui va arriver à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Du coup on va continuer. Bon là j'ai 60 points, donc on va continuer. Voilà, et on va du coup augmenter la vitesse et c'est parti. On va quand même continuer hein, le trajet. Le jeu nous permet de continuer. Bon, évidemment, on a échoué, on n'a pas réussi. Alors, le prochain arrêt, voilà, on va juste traverser. On va pas s'arrêter. Bon, vous voyez les graphismes. Là, on peut aller jusqu'à 110 km/h. Donc, on va pouvoir en profiter. Alors, c'est une rame qu'on a pris qui va pas très vite. Hein. Vous avez compris, vous avez vu la vitesse d'accélération. On est loin d'atteindre des sommets. Voilà, 110 km/h, mais il y a des fois, on va vous dire, bah, il faut baisser au fur et à mesure. Là, j'accélère, mais... Alors, je fais l'arrêt d'urgence que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas ce que je voulais faire à la base, mais bon. Alors, au niveau de l'ambiance sonore, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on entend quand on est au Japon, sur les lignes, c'est exactement les mêmes trucs. Alors là, je sais pas ce que j'ai perdu comme point, j'ai pas fait gaffe. Là, par contre, il va falloir s'arrêter à la prochaine station, donc il va falloir faire attention. 900 mètres. Donc là j'ai freiné bien avant, vous l'avez compris. Je peux être même un peu trop freiné d'ailleurs. Je vais arriver à la bourre du coup. Ah, je vais arriver en retard. Ah, je vais arriver trop rapidement, je vais encore être over. De combien? 15 mètres, 20 mètres? Bon, c'était pas très joyeux. On n'a pas non plus réussi, on a complètement échoué. Hein. En fait, j'ai ralenti bien trop tôt, et à la fin j'ai trop réaccéléré, du coup, bah, pour pouvoir freiner c'était chaud. Vous avez quand même que la distance de freinage de ce train est quand même super élevée.
Bon voilà, là c'est pas passé, là on a loupé. On a eu un échec hein, sur la troisième お疲れ direct.様でした。Et du coup on a game over. Évidemment le mieux c'est de faire le meilleur score. C'est logique, hein, ça reste du scoring ce jeu. En attendant le plus parfait possible. Bah écoutez, on va retenter une petite balade en train. Alors comme je dis, c'est un jeu qui va s'adresser à ceux qui adorent ça, évidemment. C'est un jeu très punitif. Voilà, c'est un jeu où on travaille concrètement. Hein, mais si vous aimez ce genre de jeu, c'est quand même super sympa. Je vous propose cette version. Alors il faut savoir que cette version a un patch pour avoir le jeu traduit en anglais. Donc alors j'ai complètement pas pensé à l'utiliser. Mais apparemment, on peut avoir tout traduit. Donc si vous aimez l'anglais, vous avez le jeu en mode patché, et je pense que beaucoup de jeux d'EnshadowGo ont des patchs pour pouvoir être utilisables par les Européens, parce que bah, si vous comprenez pas le japonais, vous allez galérer quoi. Alors effectivement, le système est toujours le même, hein, entre les d'EnshadowGo, donc on va pas inventer grand chose. Une fois que vous savez jouer à un d'EnshadowGo, en général, à peu de choses près, vous allez comprendre le reste. Donc c'est pour ça que, même si là, je suis très très nul, je m'en sors à peu près. On va reprendre. Un beginner mode. On va prendre un mode arcade encore. On va refaire la même chose. Voilà. On va prendre celui-là. En vrai, il y a des niveaux de difficulté quand même super élevés. J'ai quand même une petite étoile, vous avez vu. On va le refaire. On va le refaire. On va essayer de s'en sortir un peu mieux. En plus, il faut appréhender chaque rame de train qui est différente, a des réactions différentes au niveau du frein. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, sincèrement. C'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, on baisse la vitesse et on accélère. C'est parti. Ouais, je disais au niveau des graphismes, c'est pas super quoi. Voilà, vous allez un petit peu ralentir l'aliasing de la. De la 64, mais ça va s'arrêter là quoi. Il m'a dit 35, bon, j'ai pris un peu d'avance, voilà. Là c'est la roue libre, on parlait. Donc là 70 km/h, on va pouvoir accélérer. Bon, je vais essayer de faire mieux. J'ai tout essayé de pas me planter comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris la rame à fond. Allez, 90 km/h maintenant. Donc là, on traverse la station. Hein. J'augmente un peu ma vitesse. Voilà, 90 km/h, c'est bon. Ouais, des fois le quatrième cran suffit. Des fois, ça nous faut augmenter la vitesse, d'autres non. Après, c'est les chemins que vous apprenez par cœur, hein. Donc au bout d'un moment, vous savez exactement où vous arrêtez, enfin vous inventez rien quoi. Trop tard, mince, j'ai oublié d'appuyer. Enfin, j'ai appuyé trop tard en fait. Donc là, on reste à 90 km/h, hein, on bouge pas. Alors évidemment, pour aller plus vite, mais comme j'expliquais, le but c'est d'arriver à l'heure, c'est pas d'arriver en avance ou d'arriver en retard, c'est d'arriver à l'heure. Donc là je me recale à 90 km/h pour le moment. Donc là il va falloir s'arrêter. Alors là j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est encore arrêté? Ah ça s'est arrêté parce que je suis allé. Parce qu'il faut que je m'arrête. Je sais pas si c'était la tête. Alors là j'ai pas compris. Hein. Sincèrement je saurais pas vous expliquer pourquoi le machin. Tout ce que je sais, c'est que bah, ça fait pareil que tout à l'heure. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je ralentisse, je sais pas du tout. Alors on va éviter de trop accélérer. On est à 500 mètres. Et une idée à 45.
game. Hide. Donc là, on va se laisser en roue libre. Saigata. Saigata. Ah ouais, mais là je me suis arrêté avant. Oh là là, regardez-moi, mais quel boulet, franchement. Ouais, je finis à 3 mètres quoi. Je me suis arrêté avant. Tout simplement, je me suis arrêté avant. Et j'ai perdu tellement de temps que là pour arriver, je pense qu'on va avoir game over hein, de toute façon. Et j'ai perdu un point parce que j'ai accéléré avant le feu vert aussi. Hein. J'ai pris le départ avant qu'on ait fermé les portes. Donc là, on va devoir s'arrêter à nouveau. On va prendre de la vitesse. Bon, bah apparemment, on peut aller vite. Hein. Enfin, j'ai pas vu de limite. Est-ce que je peux aller à 100 km/h? Est-ce que je suis prêt à 90? J'en ai aucune idée. Dans le doute, je vais mettre à 90. Ça, je sais pas ce que c'est, par exemple. Vous voyez le 3 petits points jaunes avec ça, je n'ai aucune idée. Game over. Aïe aïe aïe, game over. Je vais continuer, mais on va du coup partir sur l'autre gare. Ah, c'est dommage, j'ai encore échoué. Bon, on va essayer de s'arrêter mieux pour la dernière, et puis on s'arrêtera là-dessus. De toute façon, je pense que je vous ai suffisamment montré, en tout cas expliqué un peu le jeu. Ah, il faut regarder les signalisations aussi, ça j'en ai pas trop parlé, mais bon. J'ai déjà mis 500 mètres. C'est pareil, hein, je pense que je vais augmenter ma vitesse à 90. Et il va falloir que je m'arrête en mesure. Là, on va ralentir. On va garder la vitesse. Vous voyez, 72, 71, ça va descendre assez vite. Et je suis encore arrêté avant, mais c'est pas possible. C'est pas possible, sans déconner, quoi, je me suis arrêté encore avant. Donc on va pas arriver à l'heure, hein, ça c'est sûr. Bon, c'était totalement anarchique ce que j'ai fait, hein. Je me suis arrêté, j'ai fait des commentaires, bon bref. Bon, on est un peu moins loin que prévu, regardez, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on aurait fait mieux que tout à l'heure? Bon, ça je pense pas, je pense que j'ai même fait pire.
Ah, il nous en reste encore un, c'est parti. On va baisser et on va accélérer. Voilà, donc c'est un jeu assez calme. C'est un jeu, on va dire, c'est le Flight Simulator du train. Hein. Vous allez passer des heures, des heures dessus. Voilà, hein, vous allez faire du paysage, etc. Bon, évidemment, maintenant ça a plus d'intérêt avec des décors qui ont été beaucoup mieux réussis. Mais bon, à l'époque, c'était quand même sympa. Malheureusement, c'est un jeu qui restera typiquement japonais. C'est dommage. C'est ça qu'on n'aura pas l'occasion de... Là je perds du temps mais je sais même pas pourquoi. Vous avez vu? J'ai perdu du temps alors que j'étais à fond. C'est un truc de fou. Bon là il va commencer à baisser la vitesse, hein. Il va commencer à arriver trop vite. Ouais, on arrive très très vite. Il va falloir qu'on s'arrête. Ah, pour une fois c'était pas mal. On est arrivé pas trop à la bourre, on a réussi à freiner comme il faut à peu près. J'ai perdu un petit peu de vitesse sur la fin, mais le dernier arrêt voilà, était plutôt convaincant. Regardez, on s'arrête à 14 cm de la ligne, c'est quand même bien, c'est quand même plutôt bien réussi. Bon, alors du coup on va voir un petit peu le score. Je sais plus combien de score on a fait tout à l'heure. Bon, même si j'ai échoué, 31, bon c'est nul, hein, 31. Normalement il faut aller jusqu'à 100, on est très très loin d'avoir un score aussi bon. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc c'est game over. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était Densha de Go sur Nintendo 64. On fera évidemment les versions, je pense, Saturn et PlayStation pour comparer. Mais bon, c'est souvent le même type de jeu, hein, finalement. Je vous montrerai aussi un jour les versions... Les versions next-gen, enfin, façon de parler, hein, PS2, etc. Et vous verrez... La musique est très très forte, vous verrez qu'hormis les graphismes, le but est toujours le même. Alors vous avez vu qu'on pouvait jouer à la télécommande spécifique. Télécommande spécifique pour le jeu. Et ça je l'ai pas, hein. Donc, concrètement ça va être impossible de l'inventer. Mais on peut vraiment avoir un truc fait exprès pour jouer, donc c'est assez cool. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.